Non, non, c'est pas loin. À une petite heure d'ici, ouais. Moi? Bah, fac de psycho. Toi, t'es bien en médecine? Ouais. Bah, d'ailleurs, pour les soirées, si tu vas voir la maison, elle est énorme. Ça va être trop bien. Ah non, 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 on n'est pas en appart. Je te rappelle qu'on est 5. Non, c'est les gars qui l'avaient trouvé. Pour pas cher du tout, d'ailleurs. Là? Je prépare mes affaires, je vais bientôt partir. Ouais, exactement, je vais dire au revoir à mes parents, vu que je vais pas les revoir avant Noël. Puis je vais rejoindre les gars à la maison, là, ils doivent déjà avoir récupéré les clés, je pense. Bon bah voilà, faut que je remette les clés. Ouais. Faut pas avoir peur, monsieur, hein. Je vais pas vous manger. Hein. Taisez-vous. Bon. Qu'est-ce que je disais? J'avais des choses à ajouter. On vous écoute. La tuyauterie. Oui. On a fait changer la tuyauterie parce que elle marchait pas. Maintenant, elle fonctionne. Les précédents locataires, c'était plein. Mais là, tout va bien. Elle marche. Mais vous l'avez déjà dit, ça? Peu importe. Elle marche. Elle marche, là, maintenant. Elle marche bien. Autre chose. Pour la maison, déplacez pas les meubles. Repeignez pas les murs. Respectez la maison, d'accord? Les animaux, c'est à l'extérieur, pas à l'intérieur. On va pas lui faire de mal à votre maison, monsieur. Ouais, ouais. Les lumières à l'extérieur. L'interrupteur du garage, il est rouillé. Vous allez avoir du mal à le faire fonctionner. Ouais. C'est tout? Ouais. Une dernière chose. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand on était là-haut. La grande pièce. N'y touchez pas, vous laissez les portes fermées, d'accord? Toute la grande pièce? Oui, la petite, vous faites ce que vous voulez. Mais la grande pièce, vous n'y touchez pas. N'y touchez pas. Et pourquoi? La frontière manichéenne décelée. L'animosité libérée. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Je sais pas, il est complètement ch'tardé, ce mec. Au pire, on s'en fiche. Hein. Les gars... Faudra peut-être laisser fermer, au moins par précaution. Les gars. Bon les gars, du coup, on a du quoi pour mardi? Pâte au saumon. Ok, pâte au saumon. Ah, ça doit être Christophe, ça. Salut les gars. Ça va? Ça va, vous? Ça va. Alors, t'as pas trop galéré à trouver la maison? Non. Ça va? Ouais, vous avancez bien, c'est cool. Bah ouais, hein. C'est bon, c'est y faire. Ça vous dérange si je vais juste faire un petit tour un peu pour voir la maison, tout ça? Non, non, vas-y. Cool. Un petit apéro. Tu me fais peur, Antonin. Allez, viens. J'arrive. Bon, les gars, apéro. Ouais. Ça fait du bien. Vas-y, Dan. On va pouvoir se poser. Ah, ça doit être Elodie, ça. Enfin. Salut. Coucou.
Salut les loups. Allez, viens voir quoi avec nous là. Allez, viens. Ah, ouais. Mais pourquoi moi les gars? Mais les gars, là, c'était il y a des années. Les gars, si on veut. Ah, ah yeah. C'est que vous qui avez cette boisson. Bah, on change pas d'équipe qui gagne enfin. Bon, du coup, pour cette année, vous êtes chaud? Pour moi, ça va. C'est plutôt pour Sébastien que je m'inquiète. Que tu vas? Bah, Sébastien va-t-il enfin se trouver une copine? C'est la question que tout le monde se pose ici en fait. La tête tout s'est fixée là. Sinon, la maison vous plaît? Ouais, c'est ça. Change le sujet. Hein. Bah, moi, de ce que j'ai vu, franchement, elle est sympa. Hein. On est bien logés. Hein. Elle est cool. Et encore, t'as pas vu en haut? Quoi en haut? Mec, t'as parlé du proprio? Ah oui, c'est vrai, le proprio de tout à l'heure. Hein. Mais le gars qui nous a fait le tour, il était bizarre, mais complètement possédé le. Ouais. Et il nous a dit de laisser la grande pièce à l'étage fermé. Non, il a dit ça, c'est sérieux? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, il nous a pas trop expliqué, il était vraiment ravagé. Hein. Du coup, on s'est dit qu'on la laisserait fermer parce que je prends une grosse mec aussi de mon lit en pleine nuit. Non, mais on rigole, mais c'est quand même bizarre, non? Carrément. Non, non, vous inquiétez pour rien. Ouais. Oui, Edouard a raison. Hey, on est entre potes, l'année va être cool, on va kiffer. Faut pas se prendre la tête. C'est bon, ouais. Oh, vraiment, on a jamais dit qu'on était potes. Hein. T'as pas changé, hein. Je sais pas comment je vais faire pour supporter. Bah, nous, on a pris les affaires de renfort. Donc, t'as rien oublié, Edouard? Oh, mais que j'ai rien pris. Non, t'es sérieux? Oui, je rigole, j'ai tout. Putain, tu sais, t'es con. Et niveau bouffe, sinon on est bon, parce que moi, je vous préviens, je fais rien. Tout est bon, t'inquiète. Par contre, comment ça tu fais rien? Émancipation de la femme, Edouard. Mais tu sais où je la mets ton émancipation? Dans la cuisine. Non, mais c'est pas quand même pas moi, ouais, tu ouais. Seb? Ouais. Ça te dérange pas que les autres te charrient? À propos des filles? Ouais. Bah, j'ai l'habitude, tu sais. Ouais, je sais, mais moi je suis sûre que tu vas trouver quelqu'un. Tu crois? Allez, prends un peu confiance en toi. Ça s'est passé comment avec la dernière? Bah, déjà c'était en seconde. Et puis elle m'a dit qu'avec les parents que j'ai, ça le ferait pas. Mais ils ont quoi tes parents? Ils sont chelous. Non, mais ça c'est pas une raison. Je suis sûre que tu tomberas peut-être sur une fille qui aime bien les parents chelous. On croise les doigts. Mec, je crois vraiment que je suis semi-bisexuel. Quoi? J'aime les femmes et les hommes. Hein? Je préfère largement les femmes. Tu saoules, mec. Mais quoi? Bon, allez, range tes affaires. Ouais. Nein! Hier sitzt ein Mörder und Schänder! Seinem süßen Mädel hat er ein Bernett unten reingesteckt! Messerscheide, Mädel! En vrai, ça va, c'est pas le truc le plus dur quoi. Je suis d'accord. Bon, t'avais pas un truc à me dire, hein? Petit cachotier là. Tu parles de quoi? Je parle d'Alice? Tu veux que je parle de qui d'autre? Non, mais y'a rien. Enfin, je sais pas ce que t'allais t'imaginer, mais. Te fais pas trop d'idées. Si tu le dis. À table tout le monde!
t'as ramené une fille, tu peux la faire descendre. Mais non, c'est pas drôle. On est d'accord, ça vient de l'étage. Ouais. Ouais, mais ça m'a fait peur. C'est peut-être un petit animal, en tout cas, c'était bloqué. Je sais pas, je vais voir. Je vais avec toi. C'est bon, vous avez l'air de l'inquiéter, tu vois. C'était quoi? Je sais pas, moi je m'entends de manger. Ah ok. Alors, tu penses que c'était quoi? Ça doit être un petit animal ou un truc comme ça, ouais, comme j'avais dit, on a dû lui faire peur en montant, je pense. Et puis ça recommence, on ira voir. Ouais, c'est comme ça. Et à ta place, je l'inviterai à boire un verre, genre juste tous les deux. Pourquoi pas? Tu peux en profiter pour lui faire du pied, créer un peu de contact, tu vois. Non, en vrai, t'as raison, je pense que je peux faire ça. Et puis aussi, à notre soirée d'Halloween. Ça, c'est une bonne occasion pour vous rapprocher. Ouais, tu peux l'inviter? Bah oui, tu peux. Par contre, je sais pas comment être comme déguisement. Bah tiens, regarde, tu vas pouvoir lui demander son avis. Allez, va la voir. Et... je te laisse, moi j'y vais. Voilà, ça s'est passé comment avec Alice? Ah, bien, mais on parle pas trop fort. T'inquiète pas. Mais on passe à la maison, t'inquiète pas. D'ailleurs, Christophe, t'étais chez Thomas hier soir. Ouais, pourquoi? Parce que tu vois les bruits dans la maison la dernière fois. Ouais. Mais hier soir, ils ont recommencé. Oh oui, c'est relou. C'est flippant surtout. Mais vous êtes allé voir d'où ça venait? Toujours à l'étage. Et dès qu'on monte les escaliers, ça s'arrête. Mais t'entends des trucs toi la nuit ou pas? Non. Non, je crois pas. Ça me fait peur en vrai. Abuse pas, c'est rien. Eh oui, t'inquiète. Non mais on dit ça, mais on sait pas d'où ça vient et ça commence sérieusement à être pénible. Je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Dans une maison, il y a plein de petits bruits, ça peut être... le bois qui travaille, ou je sais pas, un animal qui est bloqué, un truc comme ça. C'est vrai. Un petit truc, je sais pas. C'était le premier jour dans l'entrée. C'est quoi? C'était le bordel, il y avait tout le monde qui se bousculait dans tous les sens. Bah, nous, c'est okay. L'inverse, ça se demandait si les gens ils ont envie de venir en cours. Mais arrête, c'est bien psycho. Oui, oui, mais enfin, il y en a qui sont là, mais ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Ouais, c'est pas ton cas. Bah non, tu sais, j'adore, c'est mon truc. Mais toi, du coup, médecine, c'est comment? C'est pas trop dur?
Je me débrouille, on va dire. On travaille à trois. Christophe, c'est quoi ton déguisement de merde? C'est un Père Noël tueur. C'est bien ce que je disais, c'est ta merde. Ça, c'est quoi cette espèce de... Non, t'es sérieux? Bah... Ça se voit quand même, c'est un mage. Carla, c'est un mage. Ouais, t'abuses là, Christophe. Personne connaît ton truc. Ah. Depuis le début de la soirée, Seb, il arrête pas de fixer Alice. Ouais, ouais. Il y a bien eu un rapprochement là. C'est l'occasion. Attendez, mais vous m'expliquez? Ça se passe quoi? Pourquoi tu vas pas là? C'est le meilleur moment. Je sais, mais. Je prends confiance là. Mais arrête! Je sais, je vais regretter, mais. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas à l'aise, c'est ça? Si je suis pas à l'aise, elle va me remarquer, non? Mais pas du tout, je suis sûr que c'est ça qui les fait craquer là, ton petit côté timide. Allez, vas-y. Ça va, Vicky? Ça va et toi? Super. Moi, tout le monde s'en fout? Mais non. En tout cas, j'adore ton maquillage, ça rend trop bien. Merci. Toi aussi, c'est super. Merci, c'est gentil. Et la maison, pour des étudiants, vous avez de la chance, hein? Oui, c'est vrai. En plus, le côté vintage, vraiment, ça rend trop bien. Elle est grande, puis on se marche pas dessus, quoi. Mais elle est vieille, non? Eh ben, je sais pas de combien elle date. Non. Parce que j'ai vu qu'il y avait plein de déco. Il y a séparation, ouais. Oui. J'aimerais pas être seule le soir. Oui, enfin, si t'es avec Seb, ça devrait aller. Ouais, Edouard, on sort l'épisode. Ouais, je pense que c'est bon. Chris, il y a quelqu'un qui prend sa douche à l'étage. De quoi tu parles? Bah, en fait, j'étais juste aux toilettes, j'ai entendu un bruit de douche à l'étage. Attends, c'est vraiment bizarre. Eh, hey, quelqu'un prend sa douche à l'étage? Eh, hey, il manque quelqu'un? Seb, il est pas là. Attendez, c'est bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui prend sa douche à l'étage. Ah, mais c'est sûrement lui, t'inquiète. Il la prendra pas maintenant, et puis surtout à l'étage. Non mais Christophe, il n'y a pas de douche à l'étage. Alors, on sait pas, il y en a peut-être une dans la pièce fermée. Tu veux pas aller voir? C'est pas possible. De tuyauterie. T'es sûr, t'as vérifié? Oui, oui, vous inquiétez pas, Lego. Bon, c'est pizza, elle est pas sûr. Eh, hey, gros, t'as le, va. Tu veux des pizzas? Allez, je remets la musique, hein. Ah, ouais, ouais, ça. Ouais, thank you.
Ok, j'arrête, ça va. Je te vois, tu triches là. C'est pas vrai. Bon, allez, stop là, on se concentre, ok. La voyante se réveille. Ok. La voyante me désigne la carte dont elle souhaite connaître l'identité. D'accord. La voyante me sent endormir. J'appelle maintenant les loups-garous. Les loups-garous me désignent qu'ils veulent tuer. Ok. Je tends du voyant à droite. Toujours le même. C'est quoi ça? Il y a un truc qui est tombé. Faut que j'aille voir. Tout va bien? Toujours rien? Bon, allez, on prend la partie là. Allez, on termine là. Allez. Sébastien pour sa dernière. Allez, ouais. Le village s'endort. La sorcière se réveille. Putain de tableau, les gars, il m'a fait peur. Qui l'a mis là? C'est pas moi, mais il est flippant en tout cas. Moi non plus, je l'avais même pas vu. C'est toi, Seb? Non, c'est pas moi. Ça doit être Christophe alors? Flippé. Ouais. Quand tu parles du loup. De quoi? C'est toi qui as mis le tableau là? Hé, tu m'écoutes? Non, c'est pas moi. Mais mec, dis-nous la vérité. Hein. Non, c'est pas moi. On est d'accord que c'est pas rassurant là.
Non, pas du tout. Bon, je vais me faire un café, moi. C'est quoi ça? Moi je sais pas, j'ai trouvé là-bas. La frontière manichéenne décelée, l'animosité libérée. La signature, les gars, c'est la même que sur le tableau. Vous pensez que c'est lié? T'es sûr que c'est la même? Oui, viens voir, regarde. Ah ouais, t'as raison. La frontière manichéenne décelée, l'animosité libérée. Attendez, ça me dit quelque chose. C'est pas ce qu'il a dit, le proprio? Ah oui. Ah oui, pour la pièce à l'étage. C'est hyper bizarre, là, les gars. Ah oui, c'est hyper étrange. Bon, on fait quoi? J'ai un train dans 30 minutes, je peux vraiment pas rester. Oui, moi aussi, je vais y aller. T'as revu tes amis d'ici? Ouais, j'ai revu Carla. Elle est venue pour Halloween. Ah d'accord. Et ton trajet, ça s'est bien passé? Ouais aussi, ça s'est bien passé. Et toi, ta journée, c'était comment? Pas trop mal. Ah si, je suis passée à la médiathèque là, j'ai pris un livre pour les vacances. Et puis j'ai fait quelques achats pour Noël. C'est vrai? T'as pris quoi? Tu verras, c'est une surprise. Hein. C'est pas ton ami Edouard qui l'avait trouvé? Ouais. Mais bon, il aurait dû mieux faire son choix. Pourquoi? Elle est pas bien? Si, si, mais... Il se passe plein de trucs bizarres. Genre, par exemple, ce matin, on a trouvé un nouveau tableau dans le salon à la place de l'ancien. Sans aucune raison. Bah, ça doit être le propriétaire. Vous allez pas vous inquiéter pour ça? Il l'aurait pas fait pendant la nuit. Mais même si c'était que ça, on entend constamment des bruits à l'étage, des bruits de pas des fois. Alors que la pièce est fermée à clé. Hein. La douche aussi, elle s'allume. Et le tableau, là, je l'avais déjà vu dans la pièce. Alors que c'est celle qui était censée être fermée à clé parce que le proprio nous avait demandé. Et on trouve pas d'explication. Vous avez vérifié si quelqu'un d'autre avait les clés? Normalement, on les a toutes. Hein. Et c'est pas l'un de tes amis qui s'amuse à vous faire peur? Quand ça arrive, on est tous ensemble en général. Et puis ça dure depuis 4 mois, donc... Ouais, bizarre son histoire. Il y a forcément une explication. Ouais. Non mais attends, t'as appelé le proprio? Appelle-le, ça sent la mauvaise blague ça. On en parlera avec les autres, au retour des vacances. Ouais. On va essayer de trouver une solution. C'est ça. Hé, j'ai lu un article il y a quelque temps sur le paranormal. Ça pourrait être ça chez vous, non? T'entends quoi par là? Mais si, tu sais, tout ce qui tourne autour des esprits, des fantômes, quoi. Attends, ne me dis pas tu crois à ces histoires. En gros, la maison serait hantée, comme dans les films. J'émets juste l'hypothèse, on sait jamais. Enfin, moi, je suis tentée d'y croire. J'y crois pas du tout, mais on est en plein Shining, là. Ouais, non. Non, ton père a sûrement raison. T'as pas à te tracasser pour ça. Ouais, ça va. Tiens, regarde ce que j'ai retrouvé en bas. Qu'est-ce que c'est? Un vieux bouquin qu'on avait sur le spiritisme et le paranormal. Tu penses que ça peut être lié avec la maison? Écoute, je sais pas, je l'ai feuilleté rapidement et franchement, ça m'a fait penser à ce que vous vivez.
Tu sais, les bruits, les objets qui se déplacent, enfin tous ces phénomènes, quoi. Tu crois aux esprits, toi? Franchement, je sais pas quoi penser. En tout cas, j'ai pas la preuve non plus que ça existe vraiment. Ouais. Après, on sait jamais, ça peut te servir. Et puis au pire, t'auras appris quelque chose, non? T'as raison. Hein? Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui s'amuse à nous faire peur. Je crois aussi. Allez, ton père l'a dit, hein, vous n'avez vraiment pas à vous en faire. Ouais, vous okay. avez raison. Allez. Dors bien, je vais me coucher. Bonne nuit. À demain. À demain. Hey, quand tu rentreras à la maison, prends le livre avec toi, on sait jamais. Hein? Ok. Salut. 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 Non mais si. Elodie est pas rentrée? Non, pas encore. Bon, c'était comment vos vacances? Tranquille. Nickel et toi? Ouais, ça va, ça va. Il est passé où le tableau? Bah, le tableau, on l'a enlevé, il était beaucoup trop flippant. Ouais. Bon, clairement, là, faut qu'on en parle. Bah, le truc du tableau, les bruits à l'étage. C'est pas trop bizarre? Si, c'est vrai. Ah, perso, moi j'en ai parlé dans mon entourage et ils pensaient la même chose. Ouais, bah j'en ai parlé avec mes parents aussi. Faut qu'on essaye de comprendre et de trouver une solution. Moi, la dernière fois, je me suis réveillé en pleine nuit et j'entendais des bruits de pas qui venaient de l'étage. Mais c'était vraiment pas la chambre de Christophe, c'était la grande pièce à l'étage là qui est fermée et peut-être que j'hallucinais. Mais attends, je crois pas que t'hallucinais. C'était une nuit aussi, j'ai entendu les mêmes bruits et les bruits de pas. Je sors de ma chambre et je vais voir, c'était Seb. Enfin, il était en somnambule. Vraiment? Ça m'est pareil depuis des années, tu m'avais pas dit ça. Ouais, désolé. Mais du coup, je vais te recoucher. Et quand je remonte après pour me coucher, je commence à réentendre les bruits. Du coup, je vais voir, et t'étais dans ton lit. Et j'entendais toujours les bruits de pas dans la grande pièce à l'étage. Ah ouais, chaud. C'est flippant. Il y avait aussi le soir d'Halloween. Vous vous souvenez? Quand la douche, elle coulait toute seule. Ah ouais, putain. Ouais, bah, je vous avais dit que c'était bon que je l'avais coupé, mais à peine je suis allé devant la porte et c'était coupé toute seule. J'ai rien fait. Donc j'ai eu peur et je vous ai rejoint sans rien dire. Bon, tant qu'on y est, là, faut que je vous en parle. Le tableau, je l'avais déjà vu quand j'étais allé dans la pièce à l'étage pendant la partie de loup-garou. Vous êtes sûr que c'est pas l'un de vous qui l'a bougé? Non, c'est pas nous, Christophe. Et on en a pas reparlé? La citation bizarre, là. Et avec la signature qui correspondait au tableau? Si, si, on en a reparlé avec Elodie pendant les vacances. Mais on n'a pas trouvé d'explication. Attends, ramène le papier, là. Ouais, je vais voir un truc. Où il est. Juste là. Merci. Tiens. Merci. La frontière manichéenne décelée, l'animosité libérée. Et vous disiez que c'était le proprio qui vous l'avait dit? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Oh, je sais plus. Si, si, c'est quand Edouard il avait demandé pourquoi fallait laisser la pièce à l'étage fermée. Oui. Et là, il y a la signature, tu sais, qui correspond au tableau. Ah oui, putain. Attendez. D'abord, il y a le proprio qui vous dit cette phrase en réponse à pourquoi on doit laisser la grande pièce à l'étage fermée. Puis juste après, j'ouvre pour la première fois la porte le soir d'Halloween et une deuxième fois pendant la partie de loup-garou. Et c'est là que je vois le tableau. Et ensuite, on retrouve le tableau dans le salon sans aucune explication. Oui. Et la citation a dit « La frontière manichéenne décelée, l'animosité libérée. » La frontière, c'est comme la porte décelée, donc la porte qu'on aurait dû laisser fermée mais qu'on a ouverte, on aurait dû la laisser scellée. Manichéen, c'est qui sépare le bien du mal, donc c'est comme si la porte, elle séparait le bien et le mal. Ensuite, on a l'animosité. L'animosité, c'est genre le mal. Et je pense que ça doit faire allusion au tableau. Le tableau qu'on a libéré, quoi, qui est passé du côté mal vers le côté bien de la porte. Non mais je comprends, je sais pas comment tout ça. Bah, en gros, on a ouvert la porte qu'on aurait dû laisser fermer et ça a libéré le tableau. C'est à quoi ton explication? Je pense qu'on est juste face à quelqu'un qui a inventé tout ça pour nous faire une mauvaise blague et qui s'amuse à nous faire peur. Oui mais qui? Bah le proprio. Il était très étrange. C'est quand même lui qui a dit la citation en premier. Christophe, tout ça, ça explique le tableau. Mais tous les bruits à l'étage qu'on entend depuis le début, on n'a jamais trouvé d'explication.
Bah, il y a toujours une explication. Je pense que juste c'est quelqu'un qui a les clés et qui s'amuse à nous faire peur. C'est vrai, mais ça reste chelou quand même. Bon, si vous êtes chaud, on n'a qu'à faire un truc. Demain, on va aller voir si c'est pas quelqu'un qui s'amuse à nous faire peur. Dégale-toi là, tu prends toute la place. Y'a pas de place. J'en étais sûr qu'on allait rien trouver. Mais c'est pas mort, peut-être qu'il va bientôt arriver. Des fois, ça arrivait super tard. Non, mais c'est bon, au bout d'un moment, ça sert à rien de s'acharner. Ouais, je suis d'accord. Non, mais en plus, là, il fait super froid, il pleut. Enfin, non, j'ai envie de rentrer, moi. Oui. C'est pareil pour moi, hein. J'en ai trop marre. Rentre. Attendez. C'est la dernière fois. Revenez. Hé, on a qu'à faire un truc. Ça se trouve, le mec va bientôt arriver. Non, mais c'est mort, moi, je rentre. T'as vu la météo? Non, mais hé, justement, on va se cacher là où il s'y attend le moins. On va se mettre dans la pièce à l'étage. Edouard, t'es trop con. Mais mec, qu'est-ce que vous foutez? Oh, c'est bon là, ça fait une demi-heure qu'on est là, il se passe rien, y'a personne, ça sert à rien ce qu'on fait. Je suis d'accord. Ouais, bon, j'avoue, j'ai rien vu non plus. Bon, allez, on descend. Bon, moi ça m'a fatigué votre truc, donc j'y vais. Ouais, ok. Salut. Okay. Quelqu'un veut un thé? Je veux bien, moi. Faut que je vous montre un truc. Vous allez voir, c'est super troublant. Quoi ? Le mot esprit a comme pour étymologie le terme latin anima, signifiant aussi âme. Les esprits coexistent avec nous dans notre monde, mais sont invisibles et inaudibles. Ces entités ont toutes leurs propres histoires, leurs propres antécédents. Certains ont vécu des événements qui, au fond d'eux, les empêchent de passer la fameuse lumière blanche au tréfonds du tunnel. Cette lueur représente la frontière entre le monde des vivants, jusque dans un endroit inconnu jusqu'à présent, mais qui serait probablement le monde des morts. A titre d'exemple, les âmes restent dans notre monde car elles n'ont guère réalisé un ou plusieurs de leurs buts, leur destinée en étant vivantes. Stop.
Pourquoi tu nous lis ça? Mais ça vous fait pas penser à l'émission de radio de l'autre soir? Mais si, regardez! Dans les maisons dites hantées par un esprit, on observe des coups ou bruits divers de percussions sans cause identifiable, des mouvements ou projections d'objets parfois brisés, des déplacements, apparitions ou disparitions d'objets, et autres phénomènes a priori inexplicables. Ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on vit. Enfin, c'est la même chose, quoi, c'est... T'es en train de dire que notre maison serait potentiellement hantée par des esprits? Bah, écoute... Je suis grave rationnel. Je suis comme toi, j'en ai déjà entendu parler, mais je me dis qu'il y a toujours une explication. Mais bon, c'est quand même. À un moment, je regardais des vidéos sur internet où des gens parlaient d'esprits, mais ça se voyait qu'elles savent pas de quoi elles parlent. Écoutez ça. La communication avec les esprits à travers des séances de spiritisme. Regardez, il y a toutes les étapes pour en faire une. Pour essayer. Non mais ça peut être dangereux, faut faire attention. Ouais, mais en même temps, ça peut nous amener à quelque chose et ça nous coûte rien d'essayer. Et puis c'est une expérience à tester en vrai. Il faudrait pas que ça se retourne contre nous. Comment ça? Bah, c'est pas un truc à prendre à la légère. Mais t'en as déjà fait? Ouais, un peu. C'est vrai? Ouais, bah c'est surtout mes parents qui en faisaient. Mais tu m'as jamais dit que tes parents faisaient ça? Et en général, les gens trouvent ça bizarre. Mais du coup, tu crois aux esprits et tout ça? J'aime pas qu'on dise ça. De quoi? Bah, croire ou pas croire, c'est... pour moi c'est évident, ils existent. C'est juste que j'en prends conscience. Tes parents, c'est leur métier? Ma mère est sophrologue et avec mon père, ils avaient l'habitude de faire des séances un peu comme dans son livre. Et tu participais? Ouais, mais qu'à partir de 16 ans. Avant, ils voulaient pas. Parce que c'est si dangereux que ça? Je sais pas comment dire. Ces énergies, elles sont vraiment puissantes. Et si on fait pas attention, ça peut vite mal tourner. J'ai juste envie de comprendre. Donc, tu sais... les esprits, ça peut impressionner, et en général, les gens en ont peur. Et je pense pas qu'il faille le voir comme ça. On utilise toujours le mot « hanté » pour expliquer un phénomène forcément mauvais, comme si c'était un démon, tu vois, et qui nous voulait forcément du mal. Mais je pense qu'on devrait plutôt essayer de comprendre les esprits, de les écouter, et donc communiquer avec eux, tout en restant prudent et sachant ce qu'on fait. Je pense que ça doit sûrement être des âmes perdues, qui cherchent de l'aide, qui cherchent à être comprises. Mais mes parents m'ont aussi parlé d'événements dans lesquels l'esprit œuvrait pour se venger et rester rôdé dans le lieu de sa mort avec malveillance, dans le simple but de nuire. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention et je pourrais vous aider à procéder pendant les séances si vous voulez. Ok, on se concentre. On respire doucement, on se met comme dans un état de méditation. Si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on se livre aux esprits. Esprit, es-tu là? Y a-t-il un esprit qui aimerait communiquer avec nous? Vous pouvez soulever, puis reposer la table qui se trouve sous nos mains. En utilisant nos énergies. Nous sommes un groupe d'étudiants. On vit dans la maison depuis 6 mois maintenant. Et on aimerait juste communiquer avec vous. Est-ce que quelqu'un aimerait communiquer avec nous? Quelqu'un est-il mort dans la maison? On vous veut aucun mal. Si vous voulez, on peut arrêter la séance, sortir de la maison, mais manifestez-le. Faites
Faites un bruit. Tapez dans un mur, par exemple. Non, mais là, ça mène à rien, autant arrêter. Ça va, Seb ? Seb. Seb ? Seb ? Seb ? Non, mais là, ça va plus du tout, Christophe, on arrête. Attends. On est peut-être allé un peu trop loin pour lui. Non, mais ça va, en vrai, c'est rien passé, là. Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Les gars, vous étiez avec Seb ? Non, pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus aucune de ses affaires dans la maison et il répond à aucun message. Ah ouais ? T'as essayé de l'appeler ? Oui, mais il répond pas non plus. Et il est parti avec toutes ses affaires ? Mais oui, je t'assure, viens voir. Mais regardez, il n'y a plus ses draps sur son lit. Il n'y a plus aucune de ses affaires dans l'armoire et il est même parti avec ses livres de cours. Mais c'est avec eux qu'il est en coloc maintenant. Ouais, enfin, il est avec Alice aussi. Mais je sais pas pourquoi il nous ignore comme ça là. Mais c'est chiant, il a même pas voulu nous expliquer pourquoi. Ah, moi non plus, il m'a juste dit qu'il voulait prendre ses distances et pour le coup j'ai pas compris du tout pourquoi mais... Et il est pareil avec Edouard. Salut Seb, ça va ? Qu'est-ce qui t'arrive hein ? Laisse-moi les dents. Laisse-moi, je t'ai dit. Bon, il a quoi la Seb aujourd'hui ? Bah justement, je sais pas, il nous ignore. Non mais attends, mais il peut pas nous ignorer comme ça sans nous donner d'explications. J'ai essayé de lui demander si c'était par rapport aux sciences, il a pas voulu me parler, donc je sais pas. C'est sûr, c'est par rapport à ça, c'est une grosse flippée. Arrête de dire ça ! Non, je pense pas non plus. Ok, mais dans tous les cas, là, il en devient chiant. Et là, je suis d'accord, au bout d'un moment, faut qu'il arrête. Ouais, bon, on verra ça ce soir.
Seb. Salut. Faut qu'on parle tous les deux. Ok, bah j'y vais. Ok. Donc, qu'est-ce qui t'a fait de partir comme ça là? Non mais... Il s'est rien passé pendant la séance pourtant. Bah justement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux m'en parler? Bah au début tout se passait bien. Quelqu'un est-il mort dans cette maison? Je faisais la séance parfaitement comme je t'avais expliqué, donc j'étais rassuré. Et à ce moment-là, les autres ont abandonné parce qu'ils pensaient que ça donnait rien. Tapez dans les murs! Non mais ça sert à rien, faut arrêter là. Mais c'est à ce moment où t'as demandé de taper sur le mur que je l'ai vu. T'as vu quoi? Christophe, tu m'aurais pas cru. Ce que j'ai vu, c'était... C'était une grande silhouette humaine très sombre, de dos, fixe. T'es sûr de ce que t'as vu? J'étais pétrifié. J'avais la chair de poule et j'ai eu froid d'un coup. Et d'un coup, elle a commencé à se retourner. Désolé, enfin, c'est pas de vous que je voulais m'éloigner, mais c'est de la maison. Ok, je comprends mieux. Je comprends que t'aies voulu partir si t'as vraiment vécu ça, et merci de m'en avoir parlé. Mais t'es vraiment sûr d'avoir vu... Je suis sûr de ce que j'ai vu, je t'assure. D'accord. Du coup, tu vas pas revenir? Je m'en sens vraiment pas capable, Christophe. Il y a trop eu de phénomènes paranormaux dans cette maison. Ça m'a toujours tourmenté, stressé. Et avec ce que j'ai vu, je pense pas que ces choses nous veulent du bien. Mmh. Et en plus, je suis avec Alice, donc dans sa coloc. Je me retrouve pas seule. Ouais, ok. Bon, t'inquiète pas. Si tu te sens mieux maintenant, je suis heureux pour toi. Merci. Bon, ça y va être l'heure, je pense. On y va? Ouais, ok. Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Y a-t-il un esprit qui aimerait communiquer avec nous? Je vais y aller, Christophe. J'arrive. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je viens dormir avec vous en bas, vu que ça m'est parti. Ah, ok. Va à la fac si t'es pressé, hein, je vous rejoins après. Ok, j'y vais, hein. À toutes. Donc le mec te dit avoir vu un fantôme et toi tu le crois? Justement, je sais pas. Moi non plus. Pareil. Et certes, il serait pas parti pour rien, mais ce qu'il donne comme explication, c'est trop, enfin, ça va trop loin. La séance de spiritisme, elle a rien donné. Donc pour moi, il n'y a jamais eu d'esprit dans la maison. C'est vrai. Il est juste peureux. Mais oui, ouais. Sébastien, il est connu comme quelqu'un de peureux. Il est faible. Non, ça par contre, non. C'est pas parce qu'il est sensible ou qu'il a eu peur qu'on est obligé de lui cracher dessus, ça reste notre ami. En attendant, notre ami, il est parti. Mais je pense que juste, il a halluciné. Et enfin, c'était son imagination tout ça. Mais oui, ça peut être lié au stress, à la fatigue, tout ça lié au travail, enfin je sais pas. Après de l'avoir vu un fantôme, peut-être pas, mais quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. Le stress, ça peut expliquer beaucoup de choses. Voilà. Et jusqu'au point de partir? Bah ouais. Mais on s'en fout s'il l'a vu ou s'il l'a pas vu. Seb, il m'a surtout dit
qui pensait que dans la maison, il se passait quelque chose de bizarre. C'est pas parce que Seb le pense que c'est vrai. C'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a pas que Seb qui croit au truc des esprits en général. Moi, j'y crois pas. Moi non plus. Mais j'ai fait des recherches et je suis tombé sur des cas où, pareil, dans des maisons, il y avait des bruits à l'étage, il y avait des objets qui se déplaçaient, des douches qui s'allumaient toutes seules. Dans ce genre de cas-là, on a des explications en général, non? Et là, on n'en a aucune. Hein. Et on n'a qu'à faire un truc. On va refaire une séance de spiritisme. Êtes-vous mort dans cette maison? Êtes-vous avec nous? Soulevez légèrement le guéridon, puis reposez-le. Bougez un truc ou faites du bruit s'il y a vraiment quelqu'un. Chut. Y a que moi qui parle normalement. Allez, on se concentre. Mais si ça marche pas, on peut poser d'autres questions, non? Oh, ça prend du temps. Vas-y, continue. Êtes-vous un homme ou une femme? Un coup pour homme? Deux coups pour femme. Voyez-vous une lumière blanche? Quoi? Je sais pas, j'ai lu qu'il pouvait voir une lumière blanche au bout d'un tunnel. Mais c'est bizarre ça. Utilisez nos énergies pour soulever la table puis la reposer. Y a-t-il un esprit avec nous ce soir? Manifestez-le! Bah, là c'est bon, moi j'arrête, c'est n'importe quoi. Putain, c'est... Putain, mais c'était quoi, quoi? Sur ce, à la semaine prochaine! En gros, on n'a aucune réponse pendant les séances. C'est bizarre vu les bruits que vous entendez à l'étage. Mais attends, Edouard, tu nous jures que c'est vrai le truc des bruits de pas? Ah oui, je te jure, plusieurs fois par semaine, on entend des bruits et ça, on dirait vraiment des bruits de pas, comme si quelqu'un marchait à l'étage. La maison, elle est hantée en fait. Bah en vrai, je pense pas, hein, parce qu'on n'a pas eu de réponse pendant les séances. Donc, Mais on a de nouvelles techniques qu'on va essayer, ça devrait marcher. Ouais, on va essayer ça juste après, là, après les cours. Y en a une avec une marmite de sang. C'est une blague. Ah non, non, non. Mais je crois que c'est une ancienne technique ou quelque chose comme ça. Mais oui. Mais vous êtes sûr que ça va marcher? Bah j'espère, hein, parce ouais. Que là il faut plein de choses. Il faut une marmite, du sang, une croix. Et le livre. Le livre, en fait que des objets qui ont de l'énergie. Ça me fait flipper ces trucs là. Et puis même ça peut être dangereux. Bah en vrai t'inquiète. C'est juste que nous on veut des explications quoi. Et d'ailleurs on va faire comment pour la marmite? Pour la salle de cuisine. Et pour le sang vous allez faire comment? Ah pour le sang c'est moi qui gère. On va prendre du sang de poulet. Quoi? Oh putain. Et toi? Ça va? Bah Shane. Mec, ça va Edouard? Bah ça se voit pas là. Tiens. Putain merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah je sais pas, faudrait que tu regardes si ton livre il est pas hanté toi. Mon livre? Tu sais ton livre sur les esprits? Tu l'avais oublié une fois et je l'ai pris. Non mais rendez-le moi, il est pas à vous les gars. Tiens. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Rien. Donc t'es en train de me dire que pile au moment où t'as dit sang de poulet, t'as commencé à saigner du nez? Ouais. Genre pile au moment? À la seconde même. C'était hyper flippant, il y avait du sang partout. Et moi je pense que c'est lié. À peine tu parles d'invoquer un esprit et de sang, et tu te mets à saigner. Non mais faut arrêter Christophe, enfin, je sais pas, ça peut être une coïncidence, non? Mais du coup, on va le faire le truc? Quel truc? Vous savez, avec la marmite, le sang, tout ça. Les gars, vous êtes tarés. Je sais même pas pourquoi vous vouliez faire ça de base, quoi. Faut arrêter les conneries, maintenant. Moi, ouais, je suis d'accord avec vous. On devrait juste arrêter les séances tout court, en fait. Ouais, bah, je suis pas contre. Vous êtes sûr de ça? Oui, entre Seb qui part à la première, la deuxième, il se passe un truc bizarre à la fin. Là, Edouard, il me raconte un truc, je sais même pas si je dois le croire. Au bout d'un moment, moi, j'en ai marre, j'ai plus envie de me prendre la tête. Ça va trop loin. Ça va trop loin, on arrête. Non, mais oui, c'est vrai, vous avez raison.
C'est ce soir qu'elle vient manger à la maison, Carla? Oui. D'ailleurs, Carla, je sais pas si t'as vu le dernier épisode de Black Mirror ou pas du tout. Alors, pas du tout. Franchement, ah ouais, je t'avoue, j'ai pas du tout eu le temps. Non, d'accord. Et la fin, par contre, elle est. Ah non, mais. Elle vient de te dire qu'elle l'avait pas vu, pourquoi tu l'as spoilé? J'ai pas spoilé, j'ai juste dit, moi j'ai adoré la fin et. Non, si tu le regardes, tu vas voir, franchement, ça vaut le coup. Non, pour de vrai, je veux le voir, vraiment. Il me donne envie. Moi, ce que j'adore avec cette série, c'est que tu regardes un épisode, t'es accro. Mais d'ailleurs, vous vous souvenez là? L'épisode avec le Premier ministre. Non, c'est dégueulasse, c'est super drôle. Mais justement, c'est pour ça qu'il est drôle. Les gars, il y a quelqu'un à l'étage? Bah non, pourquoi? Ah, les bruits, non mais ça n'est rien, t'inquiète pas. Je peux voir le seul Christophe, t'inquiète pas. Merci Christophe. Mais enfin, je suis pas folle quoi, il y a bien des bruits de pas à l'étage, non? Oui, mais c'est rien, quand on monte, il y a personne, les bruits s'arrêtent, c'est pas grave, Carla, t'inquiète pas. C'est un peu comme si la maison a été hantée, mais c'est pas ça. Non mais enfin, vous êtes pas sérieux. La pièce à étage est fermée, c'est sans danger, t'inquiète pas Carla. Ça oui, y'a aucun problème. Pas. Non mais je comprends pas, vous entendez quoi par hanté? Bah par exemple... Des bruits, des déplacements d'objets, mais quand on regarde y a pas d'explication, mais c'est rien. Oui, voilà. Donc c'est rien. Enfin c'est juste, la maison tu vois elle est un peu ancienne, donc ça grince. Non mais vous déconnez. Non mais attends. Mais Carla, si. Détends-toi. Non mais vous prenez... Carla, rassieds-toi. On sait même pas ce que c'est ces putains de bruits. Ça pourrait être n'importe quoi. Rassieds-toi. Carla, on a ça depuis des mois, donc c'est rien. Calme-toi, s'il te plaît. Non mais explique-moi. Rassieds-toi. C'est pas possible, je vous frappe pas. Il y a quelqu'un là-haut. Carla, arrête. C'est vrai qu'au bout d'un moment, faudrait peut-être penser à trouver des explications, non? Non mais moi, je veux bien essayer, mais bon, c'est pas moi qui ai décidé d'arrêter les séances. Les séances? Si on arrêtait les séances, c'est parce que jusqu'ici, ça foutait que la merde. Personne n'a de solution à apporter? Y'a quelqu'un? Et si c'est une blague, vous êtes cramé, hein? Ah bah tiens, il y a un cri. Les gars, c'est vous l'empreinte? Quelle empreinte? Tu nous parles de quoi? Dans le salon, il y a une empreinte de chaussures au plafond. De chaussures? Sur le plafond. Ouais, enfin, comme si quelqu'un avait marché. Attends, mais tu rigoles. Non, je rigole pas. Enfin, je sais pas comment vous dire, il y avait une sorte d'empreinte de chaussures. Et j'ai vu ça au réveil ce matin. Putain. On fait quoi, là, maintenant? Tu veux qu'on fasse quoi? De toute façon, j'ai cours, on se revoit. Thank you.
Enfin, tu vas où? Juste me balader un peu, laisse-moi maman, s'il te plaît. Rentre pas trop tard quand même. Ce bordel. Parfait, quoi, on a trouvé plein de trucs pas chers. Bah ouais, c'est super. On va enfin pouvoir manger. Mais ouais. Arrête. Qu'est-ce que vous avez foutu? Salut Christophe. Ça va? Monte au marché, pourquoi? Non mais vous avez fait une grosse soirée hier soir, c'est pas possible. De quoi tu parles? On a jamais fait de soirée, hein. Non mais venez voir ce gros bordel à l'intérieur. Quoi? Non mais attendez, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça quand t'es arrivé? Oui bah je viens juste d'arriver, c'était comme ça. Vous êtes sûr que c'est pas vous? Ah non, quand on est parti, la maison elle était pas dans cet état. C'est sûr, on s'est fait conjurer, hein. Attends, je vais vérifier la porte du front. Non, 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 c'est fermé. Tout est fermé. Mais qui a pu faire ça? Et qu'est-ce qu'on va faire? Tu sens comment toi? Ça va en vrai. D'ailleurs, c'est le 20 au 21 mai que ça commence les examens? Le 20. Ok. Au fait,
T'as le bouquin de Lacan, je t'avais passé ? Oui, oui, je l'ai lu. T'as bien aimé ? Bah... T'entends ? Pourquoi ? Je crois qu'il y a de l'eau qui coule. Ah oui. C'est bon ? Ouais, c'est bon, j'ai coupé. Bah, elle s'était mise à couler toute seule. Oui, mais ça arrive, t'inquiète, c'est pas grave. Si tu le dis. Allez, on reprend. Depuis quand il y a des lumières dans le jardin ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais il se passe que tous les soirs on entend des bruits à l'étage alors qu'il n'y a jamais personne, il se passe que là le robinet il s'est allumé tout seul, et il se passe que là il y a des lumières dans le jardin, je savais même pas qu'il y en avait. C'est une blague ? Non, c'est pas une blague. Mais c'est flippant là. Il doit y avoir bien un bouton pour allumer tout ça. Quoi ? Mais sûrement qu'il y en a rien ici. Mais pensez-moi, ça s'est pas allumé tout seul ! Non mais Christophe, je comprends rien là. Mais commence pas toi ! Commence pas quoi ? C'est bon. Mets-toi à ma place, merde! Dans la maison, c'est le bordel! Déjà, détends-toi. C'est quoi le problème? Depuis le début de l'année, tout se passe mal. Et là, tu l'as vu, regarde, il y a une lumière qui s'est allumée toute seule alors qu'il n'y avait personne. Christophe, à ce niveau-là, faut se barrer. Bon, j'en ai marre, moi je... Non, tu vas rester ici, ça va bien se passer. Non, mais okay. Ta maison, elle est hantée. Et toi, tu restes là comme si de rien n'était. Non, mais hé! Hey. Je t'ai dit, ma maison, elle est pas hantée d'abord! Et puis s'il y a un esprit ici, je l'emmerde! Retour maintenant sur une affaire qui s'est déroulée près de Saint-Nazaire. Quatre étudiants ont fui leur colocation suite à une soi-disant attaque de fantômes. La police municipale s'est rendue sur les lieux, une vieille maison construite sur un ancien cimetière, mais ils n'ont rien trouvé. Pas l'ombre d'un événement surnaturel. Malgré les recommandations de la police, le groupe d'étudiants a pris la décision de ne pas revenir.